On est dans le vert ce jeudi matin à Wall Street. Le Dow Jones en poche 0,17%, le S&P 500 0,23% et le Nasdaq 0,57%. Les investisseurs semblent donc enfin avoir digéré l'idée, l'hypothèse d'une intervention américaine en Syrie, ou en tout cas, ils mettent ce scénario de côté aujourd'hui, et ce au profit d'une actualité économique beaucoup plus positive pour les marchés, à savoir une baisse du chômage hebdomadaire, passage pardon, de 337 à 331 000 nouvelles demandes d'allocation cette semaine, et puis à savoir également cette réévaluation du PIB américain, un produit intérieur brut corrigé à plus 2,5% pour ce deuxième trimestre 2013, beaucoup mieux donc que les plus 1,7% initialement annoncés. Et puis du côté des sociétés, c'est le secteur télécom qui fait parler de lui aujourd'hui. On a appris ce matin que l'américain Verizon pourrait racheter au britannique Vodafone sa participation dans Verizon Wireless, une participation conséquente de 45%. Alors pour le moment, il ne s'agirait que de discussions, mais le montant annoncé est d'ores et déjà astronomique, pas moins de 100 milliards de dollars.